Salut les amis, donc voilà, ça y est, on est bientôt le grand jour. Donc là, on est vendredi aujourd'hui. J'ai commencé à manger mes repas, mes deux repas là ce matin. J'en suis déjà à mon deuxième repas. Donc je ne recharge pas en fait, hein. Contrairement à d'habitude, je fais pas des portions beaucoup de riz, patates douces et tout ce qui s'ensuit avec beaucoup de viande, beaucoup de poulet. Là, on n'est pas en décharge. J'ai remis un peu de riz avec un peu de raisin seulement et du poisson, pour éviter de trop être de perdre du volume sur scène. Mais ce ne sera pas une décharge. Dans tous les cas, il n'y a aucun risque pour que j'arrive sur scène et que je sois voilé, par exemple. Voyez, donc, et puis on voulait vraiment être écorché sur scène et vraiment afficher vraiment un physique de men's physique, être tout simplement dans les critères de IFBB. Donc voilà, donc j'espère que ça va le faire et j'espère que je vais arriver à décrocher ma première place pour faire l'Arnold Classic en amateur. Je vous dis à très bientôt, à demain, et demain on se lève ensemble et demain on va faire toute la journée ensemble, ça va être cool. Alors c'est parti, voilà, on est sur la route. Donc là, comme d'habitude, eh ben, je suis avec Jérémy. Donc on est sur la route pour aller à l'hôtel. On préfère arriver tranquillement à l'avance, la compétition elle est demain. Donc au moins on a le temps de se préparer et tout. Enfin, j'ai le temps de me préparer, mettre la première couche de tan et tout ce qui s'ensuit. C'est parti, un peu de route. On est arrivé à l'hôtel, les amis. Donc je suis avec Jérémy et je suis avec ma femme Laurine, c'est elle qui est en train de filmer. Et là, elle vient d'arriver, elle a mis ça sur mon lit. Elle me dit ouvre-le, mais c'est pas pour maintenant, c'est pour demain. Donc les amis, on va ouvrir ce festin de roi que ma femme m'a commandé. Là, c'est arrivé par c'est un livreur, hein. Bon voilà. Alors on va voir ça, à mon avis, c'est une tuerie, hein. Ah, c'est magnifique, regardez, c'est des haltères. C'est une imitation, par contre, ils ont dû bouger un peu pendant le transport, malheureusement, ils ont dû bouger, mais l'idée est fantastique, merci chérie, hein. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, c'est super sympa. Malheureusement, je peux pas y toucher ce soir, mais demain matin, je vais foncer dessus. Oh là 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 là. Non, pas demain matin, demain soir, parce que demain matin, évidemment, c'est la compétition. Ouais, ça me fait très plaisir, chérie, merci beaucoup. Salut les amis, donc voilà, ça y est, on est en place, on va mettre la deuxième couche de tan. Donc là, il y a une première couche. De préférence, on le fait toujours dans une baignoire parce que ça salit. J'ai hâte d'y être, j'ai la dalle. Là, on est en backstage, j'ai deux couches de tan et je pense qu'on va passer dans un retour de peut-être en début d'après-midi ou en fin de matinée. J'en sais pas trop plus. Là, je me repose un petit peu. Et faire une petite heure. À tout. Allez, on poulet!
Merci Gary pour le démarrage des imposés. Quatre faces imposées. Position corrigée. Oui, je vous demanderai de vous mettre sous les ordres de Claudio, qui est sur scène pour vous aider. Même s'il est un peu vindicatif, il est là pour vous aider. Hein, profitez, parce que ailleurs, on vous aidera pas. Donc voilà, commencez. Un petit quart de tour à droite, s'il vous plaît. Alors, face, vous regardez devant vous. Gary, s'il te plaît, on regarde devant soi, pareil, pour Loïc. Merci. Un quart de tour à droite à nouveau. À nouveau un quart de tour sur votre droite. Souffle. Il y a un quart de tour pour vous retrouver face au public. Serre les abdos. Gary. Relâchez, je vais vous demander de décaler 335-336 pour bénéficier de la lumière. Ben, on peut serre les abdos, serre bien. Messieurs, face au public, position corrigée. Un quart de tour sur votre droite. J'insiste à nouveau, regardez devant vous. Serre les abdos. Regarde devant, mais tourne le corps. Voilà, le corps, vous pouvez le tourner, mais le visage, il regarde devant. Un quart de tour à droite. Ouvre le dos. Les coudes. À nouveau, un quart de tour à droite. À droite, de profil. Merci. Bien coulé. Allez, un quart de tour à droite pour vous retrouver face au public. Pour regagner les coulisses, on vous revoit tout à l'heure. À la quatrième place aujourd'hui, le dossard numéro 335, Cyril Galéchaud. Sur le podium, à la troisième place, le dossard 334, Loïc Zélu. À la seconde place de ce Grand Prix des Alpes, j'attends qu'on finisse de remettre les médailles, c'est bon. À la seconde place, Yacine Boudaga. Ouais, yes. Merci d'applaudir le vainqueur de la catégorie Men's Physique moins d'un 76, Gary Aubert. Ouais. On va garder les trois premiers pour la photo. Salut les amis, donc voilà, ça y est, on est de retour. Donc la compétition s'est très très bien passée, comme vous avez pu le voir. Donc je suis très content, hein. Donc l'objectif il est atteint. Donc là maintenant, on va se préparer pour aller faire les compétitions donc, en international. Contrairement à ce que j'avais pu marquer sur les réseaux sociaux,
Je ne vais pas commencer l'international en 2019 parce qu'il me reste une seule compétition nationale à faire pour le fun. C'est une compétition que j'aime bien et que j'ai toujours voulu faire, que j'ai jamais pu avoir l'occasion de faire. C'est Eric Favre. Donc je pense qu'en 2019, je vais faire le Eric Favre. Et en 2020, je vais partir faire l'Arnold Classic, donc un international. Je pense que c'est bien d'en finir comme ça avec toutes les plus belles compétitions qu'on a en France nationale avant de pouvoir aller tout de suite en international. Voilà. Et donc, je suis très très content de ma victoire. Je vous remercie vraiment énormément pour votre soutien à tous, à toutes. C'est très important pour un compétiteur d'être soutenu, franchement. Donc le staff, tout le staff IFBB, je les remercie énormément parce qu'ils m'ont accueilli, moi et ma femme correctement, en plus avec mon Rottweiler. Donc dans le hall, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de monde quand on a fait la pesée, mais malgré ça, même les athlètes, merci à vous les gars, merci à vous les filles, les bikinis, merci tous. Parce que tout le monde a été super cool avec le chien, ça a été la mascotte de la compétition. Et donc du coup, même les juges, tout le monde, personne m'a fait de remarques. C'était vraiment, vraiment super génial, franchement. Donc voilà, donc tout s'est très bien passé. Je vous montre une dernière fois donc la coupe. Donc voilà, donc très belle coupe. Avec la médaille, bien sûr, IFBB. Je vous dis à très très bientôt, restez connectés, je vous promets qu'il va y avoir des belles actualités. Ciao les amis, maximum plaisir.